Moi, j'aime bien retourner au 4000. Je me trouve bien là pour l'instant. Quand on est chez nous, hein. Ici ou ailleurs. Quand on est dans notre appartement, c'est pareil. Un endroit de jeu extraordinaire. En ouvrant la porte ici, que j'ai découvert de l'espace. La première famille qu'on avait, c'était le locataire, nos voisins. Et quand il y avait des couchers de soleil dessus, c'était magnifique. C'était chaotique, mais magnifique. Donc c'était un amour assez passionnel, ça. Je me sens bien ici, j'ai envie de rester. Il y en a que ça emmerde là qu'on se bouge pour s'en sortir. C'est pas parce qu'on habite un immeuble pourri qu'on est des gens pourris. Pas jamais des associations qui aident les jeunes. Je n'aide pas, parce que ça intéresse pas les gens. Mais la violence, si. Des commentaires comme ceux de France 2, c'est de l'ignorance, c'est du mépris. Vous avez vu des grands bâtiments là, comme ça, là, comme ça. C'est quoi? C'est des cages à poules, ça. C'est inhumain. Il fallait démolir. Ah, mais je dis ça sans aucun regret. Non, franchement, pour moi. Il fallait les réhabiliter, ces immeubles. On détruit pour reconstruire l'avenir et je sens bien les choses. Ah, mais à partir d'une époque, toutes les conditions de vie sont catastrophiques. Entre la puanteur, les ascenseurs, les infiltrations, les inondations. Même les ascenseurs, ils étaient toujours en panne aussi. Bah, mais c'est vraiment temps que les barres soient démolies. Hein. Ah, mais à l'époque, tout le monde travaillait. L'ambiance était extraordinaire, la solidarité et tout. Mais à partir des années 80 à peu près, il y a un changement assez brutal dans la population. Il y a des désœuvrés, le chômage est arrivé et tout. Et très vite, ça s'est dégradé. Ceux qui foutent la merde, c'est pas les jeunes, hein. C'est les kékos, hein.